Salut mes amis. Oui, ça fait un bout de temps, hein? Oui, ça fait un bout de temps. Et bienvenue, bienvenue, bienvenue. Elite Communication, Bouba, Hamid, Bassolé, Yassine, Maywaka, Yassidi, Yaro, Maywaka. Hein? Et bienvenue à toute l'équipe, Ismaël, Liptako, tous, tout le monde, je pense à vous. Mais aujourd'hui, nous allons parler de musique. Africaine bien avant l'arrivée de la machine, bien avant la naissance de la machine à vapeur, donc bien avant la naissance des ordinateurs, c'est l'ingéniosité de l'Africain. Et vous allez voir que vraiment il y a eu de l'ingéniosité dedans. Chez les chasseurs, chez le roi de la cour royale, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi la Cora vient avec ses 21 ou 24 cordes. C'est un piano, mais c'est un piano qui peut être transporté parce que le piano, le grand là, on ne peut pas le transporter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites très attention. Bienvenue tout le monde. Je vais vous expliquer le phénomène de la Cora. C'est un piano qui est là, qui a besoin d'être joué. Le piano va être joué, ça peut être que deux personnes avec le piano. Ça, c'est la technologie des Européens, des Occidentaux. Vous voyez? Donc, nous, en Afrique, on disait que si deux personnes peuvent... Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'en Afrique, il y a toujours de la place. S'il y a place pour un, il faut place pour deux. Place pour 3, place pour 4, 5. Parfois, on dépasse. Regardez par exemple là, les bus là, 17 places. Merde, on met 42 personnes là. Tu vois? Donc, pour te dire que déjà, la technologie, la manière de penser africaine, c'est de faire la place pour les autres. Regardez par exemple ici. Il y a de la place pour le bassiste. Va faire
ça, la batterie va faire. Tu vois, maintenant tu as trois personnes. Maintenant, tu vas avoir une quatrième personne qui va commencer à montrer l'image de la musique. Cinquième personne qui va parler de cette musique pendant que cette musique est en train de jouer. Donc, donc ça fait la sixième personne. Là, voici là où la démocratie arrive, voici là où la liberté a un sens. L'indépendance a une signification. Donc, ça, c'est le cerveau. Donc, merci Tam Tam, merci Nyame, merci Liptako, merci toutes les maisons des médias et merci les artistes. Vive les artistes. Pardon les artistes. Il faut rester artiste. Il faut rester artistique. Mon ami, tout le monde salue tous ceux qui regardent l'émission Tam Tam. Donc, salut à vous depuis Austin, Texas, State Capital, la capitale de la musique live, c'est-à-dire the capital of live performance. You see what I'm saying? Thank you.
Il y aura beaucoup de promenades et je vais vous parler d'abord de Sahara Lounge. C'est moi, j'ai créé Sahara Lounge en 2011. Je suis venu à Austin. Mais bien avant, je vous fais écouter ce morceau-là. Je veux que les enfants vous écoutent ce que le grand frère est en train de vous dire. J'ai composé ça il y a peut-être 20 ans et je suis jamais arrivé à aller au studio enregistrer ça parce que c'est trop fort pour moi, tu vois. Encore ici. Qui s'appelle Amine Bako,
il chantait cette chanson d'une autre façon. Et c'est un grand chanteur, mais il n'a pas voulu faire la musique, mais c'est un grand chanteur. Ça, avec Adams Junior aussi, on chantait ça. Yeah. Parce qu'avec Adams Junior, on faisait Vandolini, Tenikeji, Pam, vous voyez, et Bam Song, Air Civil. Oui, c'était le message de Adams Junior. Mais de l'autre côté, dans cette chanson, nous, on venait plutôt parler aux petits frères. Piano. Et moi souvent je m'entraîne là-dessus et puis j'exerce mes doigts dessus, rester en bonne santé. Donc Elite Communication, tous ceux qui regardent ça, l'Iptaco, partout, toutes les télés, je vous parle. Il faut travailler le cerveau. Le cerveau. Il faut garder le cerveau occupé. Alors, je vais vous montrer Austin aujourd'hui. Je vais vous montrer Sahara Lounge, Africa Night. Vous allez voir les choses qui se passent. Et tout ça, c'est l'Afrique. Vive le Niger. Africa Night, notre fameux buffet. Le riz, légumes. Et oui, les boulettes de viande. Oh, c'est délicieux. Maintenant, le haricot, et puis maintenant les chips qui sont là, vous voyez. Et nous avons le billard. Et nous avons notre bar là-bas, il y a un de nos employés qui est ici. Ce sont des noirs du voisin, nos cousins. Qu'on a amené ici, tu vois. Et voici mes amis ici, Ibn Battuta et Kemobi. Ils ont plus de 78 ans comme ça. Yeah. Maintenant la nuit tombe dans le Texas comme ça. Thank you.
venu à Austin. Tu vois, c'est Sahara, la rue comme ça. Tout ce bruit que tu entends, tu vois, les familles sont là, les musiciens, hein, les compositeurs, des gens qui enseignent à l'université, département de musique. Aujourd'hui, nous avons même l'université de Denton jusqu'à Dallas, tout cela. Vous voyez, c'est ici l'Afrique. That's the big man right here. How are you? Yeah, how are you? I was like, what are you flashing in my face? I don't know, man. Oh, man, you did a great job, man. Yeah. Thank you, thank you, thank you so much. Great job. Yeah. Ça commence. Donc, au début, c'est tribut latino. Il y a le groupe qui a commencé à s'installer. Donc, c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'un groupe va jouer, un autre va venir, un autre, trois groupes. Comme ça, vous avez du monde. Et comme ça, la nourriture est vendue, et aussi la boisson est vendue, et les gens s'amusent. Et c'est comme ça. Yeah. Tout ça, ce sont mes amis comme ça. Yeah. C'est ma grande famille du Texas comme ça. Eh oui. Ça commence, ça c'est le bar comme ça. How you doing today? Good, good. Bienvenue en Afrique, aux États-Unis, dans le Texas. Bienvenue à Austin. Le partage de culture, le brassage de culture. Eh oui. Thank you.